Bonjour à tous, très chers rollistes, c'est Ruin pour une nouvelle vidéo sur Unpeak, 8ème du nom si je dis pas de bêtises. C'est parti, nous allons continuer notre quête avec notre petit personnage. Alors vous excusez pour les 8 heures, en fait j'ai laissé tourner le jeu, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comme un con d'ailleurs. Voilà, voilà, donc je n'ai absolument pas avancé, hein. Ça a resté, c'est resté pareil. Donc nous allons continuer notre quête, équipons-nous de notre épée. C'est parti. Ensuite, nous allons prendre le raccourci du milieu. On se retrouve là. En faisant attention. Aïe, à ce putain de piège. Salut! Comment tu vas? Faut que je descende. J'ai pas visité en bas. Ah oui, 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 tout à fait. Oh, niveau 6. Oh. Salut. Excusez-moi, je me prends 30 secondes. Faut que je mette mon niveau. Personnage. Alors, et constitution et armure à 6, comme d'habitude. Épée et arc à 6. Et le reste, on n'y touche pas. Pas pour le moment. Bonjour. Oh putain. Ah, ah putain. Je me fais violer. Je me fais violer. Sale. Ah d'accord, 5 points de dégâts. Et ouais, ça commence bien, dis donc. Faire attention quand même, hein. Avec un petit coffre, essence magique bleue. Ça tombe bien parce qu'il va en falloir des masses. Ah mais qu'est-ce qu'il me fait lui là? Ah. Je suis mauvais. Il dort. Large dague of the healer. La dague du guérisseur. Guérison supplémentaire plus 20%. C'est pas mal ça. Hop. Je te parie que j'ai oublié une torche là-haut. Là. Ce que tu veux. Oh. Si on avait des potions de vitesse, ça irait plus vite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, il n'y a pas de torche. Par contre, il y a des barils là. Il y a un coffre, je le sens. Loupé. Bon. Pour le moment, c'est tout fouillé. En théorie. Hop, et calme. La musique a changé. Et on a un serpent. Prendre le 4. C'est juste pour des coffres. Eh ben, très bien. Marteau. Marteau tue insecte. Pof. Ouais, super. Tout ça pour ça? Ouais, effectivement. Alors là, techniquement, objectif aujourd'hui, c'est essayer de faire la mission pour l'esprit bleu. On va essayer. Mais malheureusement aussi, je me rappelle très bien que... Aïe. C'est un piège. Eh mais vous êtes sérieux là, sans déconner là? Paralysé. Je préfère ça que empoisonné. Des pièges. Ah non! Je vais le tenter. Oh!
Ah. Aïe. Oh, yeah. Aïe. Je suis nul. Allez, petite ellipse, à tout de suite. Oh, tous mes amis, j'ai pu l'avoir, j'ai pu le tuer, je suis content. Voilà. Bon, alors. Reprenons notre souffle. Et du coup, commençons plutôt à récolter ces morceaux de statue de Poséidon. Voilà. Impeccable. Porte. Salut. Salutations jeune homme, viens-tu pour la dague hybride? La dague, ah oui bien sûr. Tu dois être l'élu, toutefois je te voyais moins pâle dans mes rêves. Que dois-je faire pour obtenir la dague? La dague hybride d'Enchanti est une lame qui a été forgée dans un autre monde. Uniquement une âme noble et altruiste peut la porter. Je suis une âme noble et altruiste. Une fois j'ai donné de l'argent à un mendiant, tu sais. Je sais, malheureusement je ne suis pas aussi altruiste. Donc si tu veux que je te révèle le secret qui te permettra d'obtenir la dague, tu vas devoir 100 pièces. Encore? Tu t'aurais une 50? 80, pas moins. Voilà tes 80 pièces. Et hey, dégueulasse, il succure le nez. Et en plus il s'essuie partout. Allez mon vieux, parle, comment puis-je obtenir le couteau? Avant toute chose, tu vas devoir te le demander convenablement. Je veux le couteau! D'accord, je suis venu pour obtenir le couteau, s'il te plaît, j'ai besoin du couteau! Suis le chemin, au bout de celui-ci, tu trouveras la dague d'Enchanti. Prends ce verre d'eau et n'en reverse pas une goutte. Quand tu atteindras la dague, tes pensées devront être aussi claires que cette eau. Cette eau ne semble pas très claire. Tu sais quoi? Je crois que tu m'as roulé. En tout cas, garde tes pièces et nettoie cette morve avant qu'elle ne se gèle et que tu te coupes avec. Verre plein d'eau. À mon avis, c'est une énigme. Seulement une âme pure portera le couteau et seulement un homme à l'arrière-train étroit pourra descendre par ce passage. Fais attention, il n'y a pas de sol en face de toi. Oui, bien sûr. Pour tout te dire, il y en fait un seul, mais on ne le voit pas. Pour effrayer quiconque vient ici, n'est-ce pas? Il y a un seul, il y a un seul. Tu vas voir, je vais jeter une pièce. Hé, hey, il n'y a pas de seul. Il n'y a pas de seul. Waouh. Putain, si je me loupe, je hurle. Je suis sûr qu'il faut boire l'eau. Ok, super. Ah, la dague d'Enchanti. Ah ouais, où putain? Pas mal ça. Bon. Mais dans ta face, j'y suis arrivé, salut. Oh tiens, les mobs ont repop. De toute façon, j'ai aussi. Ah mais oui, les mobs ont repop. Bon, je prends pas de risque. Je sauvegarde. Je prends pas de risque. Voyons voir. Ouais. Putain de casque à la con. D'ailleurs, si possible, sortilège quête, la statue de Poséidon. J'ai pas déjà tué deux casques rouges au lieu de un. Bon, c'est pas grave. Alors, ah, chaque fois j'oublie. Dans cette... Ah, je savais pas. Les corbeaux aiment pas les petits objets brillants. Ne les laisse pas te voler tes bagues. Des corbeaux, hein. Des putains de corbeaux. Bim. Bim. Allez. Oula.
Ah! On tue les corbeaux! Ouais, mais reste de flèches là. On va pas que je fasse le con. Ah, cool! Large saphir. Bon, on va taper ça. Ça ouvre la porte qui est là-bas. Bim! Va falloir que je repasse de l'autre côté. Fuck. Ok. On va remonter. Tiens. T'amuses pas à tuer l'orc. Ils en valent pas la peine. Ah putain, à chaque fois. Ah! J'ai deux saphirs. Et j'ai allumé toutes les torches. Impeccable. Hop, une massue. Encore? Marteau du orc. Bon, où est-ce que ça mène ça? Ça mène là. Ok. Un morceau de statue de Poséidon. Il m'a dit que le trident se trouvait dans la forteresse des gobelins. Ça doit être de l'autre côté. Ah non. Ça fait one shot. Il va falloir un arc. À l'épée. Prenons pas de risque. Voilà. Tu es casque rouge. Petit rubis avec ça. Prenons la masse. Impeccable. Voilà. D'ailleurs, faut 20 quand même de ces merdes. Alors, faut que j'aille en bas. Oula. Bonjour. J'ai assez un truc. Ah! D'accord. Eh, ça devient hard. Oh putain. Réfléchis, Jérém. Ça me fait chier de revenir là. Moi je prenne le raccourci de bon. Hop, on va faire une petite ellipse. A tout de suite. Voilà tous mes amis, c'était pour vous prévenir que j'ai obtenu un succès, c'est que j'ai tué 500 monstres. Donc là j'ai pris le raccourci d'ici. Je récupère quelques morceaux de statuette de Poséidon. Et on y retourne. Gaiement. Ici juste.
assez de dégâts. Ah! 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 Je vais mourir. Aïe 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 aïe. Je vais pas prendre de risque, hein, putain. Je suis vraiment désolé, hein. Vraiment, vraiment désolé. Fait mal, hein. Sans déconner, ils font mal. Hop là, on se remet là. Non, pas là. Ici. Je connais l'astuce. Ouh, toi là. J'ai envie de te cramer. Ah, j'ai pas assez d'essence rouge. Je vais prendre cher, je sens. Regarde ça. Aïe 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 aïe. Mais ils sont combien? Ils sont 6. Qu'est-ce que vous voulez faire? Aïe 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 aïe. Il y en a qui dorment. Je vais attendre que celui qui arrive à droite vers la gauche passe. Et mais. Et là maintenant, maintenant. Maintenant. En moins. Aïe aïe aïe. Ah ah. Tac. Aïe. Oh. Hop. Toi, tu vas cramer, enculé. On s'est bien sorti. Par contre, c'est là que ça risque de. Ah non, je suis pas là. Petit con ça, parce qu'il pourrait descendre. Il serait assez intelligent pour ça. Bonjour. Ça donne de l'expérience et de la thune, pardon. Je n'ai que 20 pièces, 20 malheureuses pièces d'or. Ok, continuons là-bas où c'est inexploré. Oh putain, putain, mais il y a des gobelins partout. Oh putain, oh le con. Ah. Ah, tu te retournes au mauvais moment. Eh mais la difficulté. Ah. Putain. Je suis vraiment mauvais, hein. Ah non. Sauter trop en avance. Là, n'oublions rien. Hop. Oula. Avec un coffre. Hache de main de conjugation d'âme. C'est une hache, c'est dommage, ça m'intéresse pas. Faites-moi récupérer un peu de vie. Oh merde! Il y a un saloperie de Glypso qui m'a piqué un objet. Ok. Le trident impeccable. Donc il va me manquer des morceaux de statue. Tiens, il y a Michel qui est apparu. Ah, très drôle. Faites gaffe au piège. Oh putain! Ah non, je sais ce que je vais faire. C'est par contre, ça va être dangereux. Ah! Ah! Aïe 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 aïe. Si je
je recrame encore, je suis foutu. Ah oui! Tu as allumé toutes les lumières du sous-sol. Bac de dextérité de quoi donc? Tiens d'ailleurs, est-ce que mon cas marche? Bah il marche. C'est quoi ça? Du forgeron, vitesse avec ma sup et 5%. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est pas bien. Je pense que ça vient avec une sauvegarde. Voilà. Et on se retrouve dans la suite. A tout de suite. Et voilà mes amis, on cherche les derniers morceaux de statue. Et il va falloir qu'on flingue un dernier casque rouge. Hop, là il y en a beaucoup des morceaux de statue, mais si je fais le calcul, il va quand même en manquer un. Voilà. Taper les gars. Ah, j'aurais pas dû courir aussi vite. Bon, maintenant il me faut un dernier morceau de statue et il n'apparaît malheureusement pas là. Ça mène où en haut là? Vers le satyre. Je pense pas que ça. Ah. Ah là, j'abandonne. Alors, ici, c'est les corbeaux. Ouais, je pense que je vais descendre en fait. Et après, on ira récupérer un... On prendra un parchemin de retour. Je crois qu'il m'en reste d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Et là, on ira en racheter aussi. En tout cas, ah, loupé. Ah oula. Boule de feu de merde. Putain, j'ai pas allé là. Ah non, mais il y a des casques rouges de partout. Voilà, tu cours. Ah non. Ah. Tu m'as pas vu, créature impie. Oula. Putain. Faut la magie de guérison. Arrête de te soigner. Aïe 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 aïe. Absolument. Non non, mais j'ai pas envie de 20 HP. Bon bah je crois que ce qu'on va faire en fait, c'est d'attendre un respawn. Parce que on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Et je suis désolé, on aurait dû terminer cette quête dans cette session là. Mais ça a pris un peu plus de temps que prévu. Et je vous avais promis de faire plusieurs vidéos. Et là c'est ce que je fais. Hein, bah d'ailleurs je pense pas que j'en fasse une autre aujourd'hui. Donc en tout cas, je l'espère que ça vous a plu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller pleurer dans mon coin. Parce qu'il manque un morceau de statue. Mais je pense qu'à notre prochaine...
qu'on s'appelle, à notre prochaine épopée, à notre prochain épisode, nous allons pouvoir avoir notre morceau de statue qui nous manque. Voilà, voilà. En tout cas, mes très chers rôlistes que j'adore, j'espère que vous passez de très bons moments avec moi. Je prends toujours énormément de plaisir à vous faire des vidéos. N'hésitez pas à faire parler de moi, ça me ferait énormément plaisir. À faire partager ma vidéo, à liker Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, pardon. Voilà. Avec grand plaisir, mes amis. Sur ce, portez-vous bien. À très vite. Ciao.